que vous faites là, bon, c'est une super initiative, parce que c'est à la fois ludique, vous, je pense que ça vous plaît, ça vous permet de découvrir les différentes activités économiques présentes sur un territoire, et puis c'est une façon de mettre en avant et de saluer le travail de différents professionnels, comme ici à Unica. C'est chouette comme initiative, à la fois pour vous, parce que ça vous permet de mettre en œuvre une activité comme si vous étiez en fait au sein d'un vrai travail et vous découvrez des activités de la région. Et c'est vrai que pour moi, mais ça me permet aussi de communiquer sur mon activité. Ça nous apprend énormément de choses et on est content en fait de participer et qu'on nous fasse participer à des ateliers comme ça. Et en même temps, bah, comme ça, on peut découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, c'est enrichissant. Limoges est une grande aire urbaine, plus de 200 000 habitants. Donc vous retrouvez tout type d'activité économique. Mais ce que nous croyons, c'est que nous devons mettre l'accent sur les filières sur lesquelles nous avons un avantage relatif, le cuir et la porcelaine. Et donc aujourd'hui, chez un fabricant de chaussures, artisanal entre guillemets, qui vient lui-même de l'entreprise Weston, c'est aussi une façon de mettre en avant les atouts de ce territoire et les forces de ce territoire. Nous, on a énormément de ventes en fait dans la région via notre boutique physique qui est à Limoges. Et c'est vrai que depuis la cérémonie, on a un peu plus de commandes en ligne. Donc on se dit que des gens ont aussi découvert Unica au travers de votre vidéo et sont venus sur notre site pour nous commander quelques paires. On monte sur scène parce que justement on gagne quelque chose et c'est plaisant quoi de savoir qu'une des vidéos réalisées par des jeunes d'ici a remporté un prix. Donc le clap d'or, c'est ce que tu tiens dans la main actuellement. Oui. Ce que ça fait sur place devant plus de 600 personnes. Ça donne les pétoches, enfin, en tout cas pour moi. Ça m'a fait peur, mais ça m'a fait plaisir en même temps. C'était incroyable, enfin, c'est une expérience de fou.